Les philosophes, en revanche, dès l'Antiquité, ont été très critiques envers l'odorat. Ils considéraient que c'était un sens moins noble que la vue et que l'ouïe, que c'était un sens grossier, que c'était un sens qui n'apportait pas beaucoup de connaissances. Et au XVIIIe siècle, Kant, le philosophe allemand Kant, disait même que l'odorat était un sens ingrat et qu'il était inutile de le développer. Ça allait loin. Et un peu plus tard, le sociologue Simmel disait même que l'odorat était le sens antisocial par excellence. Donc là encore, fallait pas développer l'odorat. Et on a vécu pendant longtemps sur toutes ces idées, reprises d'ailleurs par Freud. On a vécu sur cet héritage qui faisait de l'odorat un sens qui était nuisible à la vie sociale. Et aujourd'hui, évidemment, grâce à cette révolution dont je vous parlais, nous n'avons plus du tout la même conception de l'odorat. On voit justement les côtés positifs de l'odorat. Mais il a fallu des siècles pour en arriver là. Alors, en Orient, Mahomet considérait que le parfum était une des trois meilleures choses qu'il avait connues dans le monde. Donc, il avait une vision très positive du parfum. En Orient, cette stigmatisation de l'odorat et des odeurs n'a pas eu l'ampleur qu'elle a eue en Occident. Parce qu'en Occident, seule était valorisée la raison et l'essence rationnelle de la vue et de l'ouïe, qui s'établissait par une médiation extérieure. Alors je vous ai dit que les philosophes du XVIIIe siècle, les encyclopédistes, s'étaient intéressés à l'odorat et avaient vu des côtés positifs dans ce sens, mais le grand philosophe qui a réhabilité l'odorat, c'est le philosophe allemand Nietzsche au XIXe siècle, qui considérait justement l'odorat comme un moyen d'investigation psychologique et morale. Il disait: je flaire l'âme, le cœur des gens grâce à mon flair, tout mon génie est dans mes narines. Et Nietzsche, justement, est le grand défenseur de l'odorat. Il était d'ailleurs très en colère contre tous ces philosophes qui avaient dénigré l'odorat, parce qu'il considérait que c'était un sens qui n'était pas assez rationnel. Et lui, justement, Nietzsche, qui veut mettre au pouvoir l'instinct, considère que l'odorat, qui est un sens aussi de l'instinct, qui est très lié à l'instinct, est un sens extrêmement important. Nietzsche est le grand, grand, grand défenseur de l'odorat. Après lui, il y aura quelques philosophes qui se sont intéressés à l'odorat, mais véritablement, Nietzsche est un tournant. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur l'odorat et la psychanalyse et j'ai montré que Freud, qui considérait que la civilisation s'était développée grâce à l'effacement de l'odorat, avait accordé une grande importance néanmoins aux odeurs et à l'odorat et au parfum. Et même si lui avait un regard négatif sur la sensibilité olfactive, puisqu'il pensait qu'une grande sensibilité olfactive était un reste d'animalité chez l'humain, il a accordé une très très grande importance aux odeurs, puisque sa conception du refoulement, qui est le concept central de la psychanalyse, sa conception du refoulement provient justement d'une expérience olfactive qu'il a eue avec un otorhino-laryngologiste berlinois du nom de Fliess, qui lui avait aussi une théorie de l'odorat et des odeurs extrêmement importante, qui a beaucoup influencé Freud. Donc, si pour Freud il fallait que l'odorat de l'homme s'efface pour que la civilisation se développe,
Il a néanmoins été extrêmement attentif aux odeurs et à l'odorat. Et Freud pensait aussi que cet effacement de l'odorat avait été nuisible à notre aptitude au bonheur, que nous étions, nous humains, moins heureux depuis que notre odorat s'était affaibli. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le nouvel élan pris par l'olfactif, cette exploitation novatrice des fragrances, des parfums, des odeurs, on pourra peut-être réacquérir cette aptitude au bonheur à laquelle Freud faisait allusion.